C'était probablement là depuis très longtemps, puisque je dessine depuis presque toujours. Enfin, j'ai toujours pratiqué le dessin. Une sorte de dessin comme ça pour me détendre, pour oublier que j'écris des notes, quoi. De façon très stricte, très droite, très, très contrainte, avec un contrôle très particulier sur l'encre, les gommes, le papier, le noir, le blanc. Et j'écris de façon, oui, c'est ça, oui, très resserré, j'ai besoin de ça. Et puis pour retrouver un geste, peut-être, j'ai, entre guillemets, quoi, inventé ces dessins très souples, qui réutilisent le matériel de la musique, en fait, mais qui le décontextualisent, qui déparamétrisent, en fait, toutes les indications symboliques. Et je déconstruis, comme quelquefois, de façon très systématique, mais c'est toujours très souple. Et puis de façon quelquefois, quand je dis systématique, ça fait des carrés comme ça, ou alors ça fait comme des lianes, ça part. C'est comme un doux rêve. Et en fait, je les appelle mes pensoirs, parce que quand je dessine ça, je pense à la musique. Je savais qu'ils allaient être transformés, qu'ils allaient être agrandis, qu'ils allaient passer d'une échelle de page à une échelle de scène, et surtout et inversé aussi puisque pour projeter, on est obligé d'inverser le noir et le blanc. Et je savais que je les faisais entrer dans une boîte mystérieuse, quoi. Que quelque chose, tout d'un coup, allait partir et peut-être dans une dimension très volumétrique. Alors moi j'avais toujours essayé de dessiner un peu par derrière. Les dessins sont faits dans tous les sens, par exemple. Je tourne la page, il n'y a pas de sens vraiment. Et là il y a quelque chose qui est entré dans un volume, c'est entré dans l'air vraiment. Mais en fait moi j'ai toujours voulu faire quelque chose comme ça, quelque chose qui aille dans cette dimension-là. Parce que quand je compose de la musique, je travaille avec cette profondeur de champ-là. Un orchestre symphonique, c'est quelque chose qui va loin, quoi. Enfin, c'est profond, quoi. Mais le dessin, on peut suggérer évidemment la perspective, hein. Mais moi, je ne suis pas dessinateur en fait, hein. Mais j'avais envie que ces lignes partent comme ça, dans une troisième dimension, voire une quatrième, une cinquième. Je voulais qu'ils soient vus de face, puis de derrière, sur les côtés, en haut, en bas. Enfin, donc c'est une représentation mentale. C'est très passionnant. Quand je pense avec les notes et quand je pense avec les dessins, je fais la même chose, sauf que je n'ai pas le même matériel. Quand je dis, ben, on va projeter ça sur un écran pour que le dessin il sorte différent d'un côté ou de l'autre, ben, au fond, c'est presque un procédé d'orchestration. C'est comme un accord sur lequel je mets certains instruments, puis après, je reprends le même accord et j'en prends des instruments extrêmement différents. Les hauteurs sont les mêmes, mais en même temps, la couleur n'est pas la même. Donc, c'est des processus de filtre. Alors l'intérêt de la machine comme elle est, enfin, et du logiciel Yannick qu'on utilise, c'est que ces dessins peuvent être transformés, enfin, on peut en mettre d'autres. Donc je sais qu'aujourd'hui, je vais en refaire certains ou en proposer une autre série, parce que je vois maintenant comment mieux faire, quoi. Alors le son, pour des raisons... presque biographique, tout de suite l'idée du vent m'est venue. Enfin, déjà, le vent, c'est une vieille histoire chez moi. J'en ai mis partout dans mes opéras. Enfin, je les trafique, je les filtre. Enfin, la musique, c'est des vibrations d'air, donc c'est comme une super musique en fait, je trouve. Et c'est très fascinant de sculpter le vent comme on a fait. C'est-à-dire d'aller chercher des vrais vents de tous les pays du monde. On a des banques de sons incroyables. Et puis de faire une petite sculpture comme ça avec du pur vent. J'ai pas cherché à faire de relations plus compliquées que ça. C'était un désir, quoi. Voilà, c'est comme ça. Voilà, on l'a fait, on a réalisé ce rêve. Seul, je ne serais jamais arrivé, c'est-à-dire sans Thierry Cauduisse et Guillaume Jacquemin, je ne pourrais pas monter ça. Mais maintenant, on est dans une, je dirais, une souplesse de travail et de pensée qui laisse augurer un champ. Depuis quelques jours, là, j'ai la tête qui tourne d'idées très folles et.
et très différente aussi. Je pense que c'est quelque chose qui peut se développer sur une dimension qu'on ne peut encore pas imaginer là. Donc on verra, on verra.